Ferme-la! Mais quel Oh là là! Connard. Oh la tension dans l'équipe! Oh la tension! Bonsoir les amis, très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus, c'est la Zilane 2021! Je suis avec donc deux compagnons, il y a ici Bauer part en live. Hop là! Et là-bas, celui qui se lève, c'est Hugo Lisoire. Nous sommes en phase de poule. Le but du jeu, c'est d'arriver parmi les deux premiers de la poule. Sinon, nous sommes éliminés demain après-midi, nous ne jouons plus. Donc, ça va commencer sur Valheim. Ah, bonsoir, mon cher. Jean-Mas! Excusez-moi, Jean-Mas! Attends, ils sont mes effets? Ils marchent pas? Bah, t'as plus d'effets. C'est con, t'as raté ton entrée. Mes effets? C'est une caméra qui est là sur mon écran. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti! Non, j'essaye de péter la gueule à Bambi, mais Bambi il s'en va. Même pas on s'éloigne, même pas on s'éloigne, on continue, on le bourre. Je veux qu'on tue Bambi. Allez Bambi. Allez. Mort. Alors que 12 000 dingueries dans mon cul. Oh mon dieu, ils sont un million les dingueries. Ils sont un million, où ça? Dans mon cul. Let's go. Très bien ça, voilà, il passe directement. Jusqu'au bout! Jusqu'au bout! Let's go! Voilà, prends de style ou pas prends de style, allez! Oui les gars! On t'en va voir! Ne vous tuez pas entre vous! Let's go! On a fait un kill, incroyable! On a fait un kill! Let's go! Let's go! Chat maître! Tendu hein. Comment ça s'appelle la glace là? Et je sors de la glace moi. Je sors de la glace aussi. C'était une scène. Oh c'était une scène, attends on a vibré. Grand moment de sport. Bravo Justin! On est sur Diapositive Academy. Moi ça va, grâce à matériel.net. Si jamais vous voulez voir un live qui ne lag pas, incroyable, vous pouvez venir chez moi. Et grâce à Instant Gaming, vous pouvez acheter ce jeu 70% moins cher. Code créateur Jean Massier. Sanglier. On s'en fout! Mais ça donne pas de résine un sanglier? Non. Ah merde, je confonds, c'est les dingueries. Genre, je crois qu'il va falloir retourner en SVT. Toi, t'as eu le chapitre sur les dingueries, c'est ça? Maman, les petits bateaux qui vont sur... Oui, c'est vrai qu'on a des gourdes. Il y a... Qu'est-ce que t'as fait? En fait, on est à peu près comme tout le monde. Hein. On est au bout du glacement. C'est mon chat qui t'a vu, hein. Moi j'ai rien vu. Hein. Merde, qu'est-ce que t'as fait? Excuse-moi, j'ai mis ce clic. Arrêtez de vous frapper. On a perdu... Oh là 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 là, ce rentre. Allez. Je suis dans la zone, je m'en bats les couilles. T'es le meilleur joueur. Ah, vous savez, c'est beaucoup de travail. C'est vrai que c'est du talent, mais c'est aussi beaucoup de travail, faut pas l'oublier. Talent, genre. Je remercie tout le monde. Ah merde, ils m'ont trouvé. Non, genre pas comme ça, je t'en supplie. Ah, c'est Justin, ça fait deux fois qu'il me tue. Non, mais meurs. Ne trahis pas. 21ème place. Nul. On est mauvais quand même. Hein. Humilié. Déjà, faut qu'on essaye effectivement de se coordonner pour là où on atterrit. Surtout, faut qu'on se batte en fait. Mon adolescence qui est en train de revenir. Les gars, faut qu'on se batte, faut qu'on arrête de fuir les brutes. Ok, on va se battre, genre. Je te suis, t'es un leader. T'as littéralement la souris dessus. Et non pas le chat. Ok, alors là, il est tard. Si Jean commence à faire des blagues comme ça. Ah, merde. Aïe. Je pense qu'il y a plein de gens qui veulent tester. T'entends pas, toi. J'ai le monstre de compétition qui est là. Me fais pas un balayage de main comme ça. Déjà. C'est bon, là on t'entend. Je vais faire un petit balayage de main quand même. Le petit balayage de main, mon... Mais parce qu'il est en train de me parler l'autre là. L'autre il me parle, je l'entends, t'as un mec au milieu qui bouge sa bouche là. Ferme-la. Oh là là. Oh la tension dans l'équipe. Oh la tension. Moi j'ai les mains moites les gars. T'as les mains moites et les pieds poites. T'as les pieds poites. Ah, je suis con, putain, je me suis suicidé. Bah alors, Yago, t'arrives pas à te servir de ton lance-roquette? Ah si, c'est bon, tu m'en as mis une dans la gueule. Mais dégage, toi! Tu m'énerves! Tout va bien, Bauer. Ce n'est qu'un jeu vidéo, bien sûr, des images insoutenables qui seront reprises dans tous les JT pour dénigrer, encore une fois, cette passion que nous avons des jeux vidéo. Évidemment, on embrasse les équipes du Figaro et de TF1. Qui suivent la Zilane sur nos lives, évidemment. L'addiction, la violence, les jeunes, les jeux vidéo, tout ça, allez bien vous faire. Pardon.
Par hasard. Je veux sur mon retour, hein. Non, non, je veux sur le retour du retour. C'est marrant comment le côté préféré de tout le monde, c'est la gauche. C'est très politique ce que tu dis, hein. Tu feras attention quand même. Évidemment, on remercie la Société Générale de nous avoir soutenus pendant tout ce week-end. Merci la Sogé, rends l'argent. Moi, j'ai passé le week-end à diffuser le logo de la Sogé, hein. La Sogé, c'est quand vous voulez, hein. Tu vois, j'aurais préféré le logo Twitch ou même Cdiscount ou Omen. Non, c'est vrai, il y avait des meilleurs sponsors, mais bon, écoute, c'est comme ça. Hein. Là, le live, il va se cut parce qu'on n'est pas, au-delà. Hein. On a... Sauf retournement de dernière minute. Faut toujours garder un peu de suspense quand t'es streamer. C'est important de ménager un peu là. On a quand même beaucoup de jambes à péter pour... On a beaucoup de jambes à péter, ouais. Tournement de situation efficace, hein. Ouais, faut qu'on tue des gens. Bah, en tout cas, c'était une très belle LAN, les gars. On peut peut-être un mot de conclusion. Merci. Merci, Bauer. Merci, Hugo. Merci à toi. C'était une super LAN. C'était un vrai plaisir. C'était très, très cool. J'étais très content. Merci de m'avoir accepté dans votre team. C'est vrai. Merci pour tes vues, parce que sans toi, on passait pas. Par ailleurs, il y a aussi un peu de... C'est vrai. Il y a un peu de... Ouais. C'est pas qu'on l'aime bien, hein, évidemment. Mais l'autre connard avec ses sénateurs de merde, il fait des vues. On a eu besoin de lui, voilà. Ah ouais, t'es de gauche. Cite-moi tous les acquis sociaux. La question à poser aux communistes, c'est... Ah ouais, vas-y, récite le capital de Marx. Est-ce que c'est raisonnable de dire que les départementales, c'est le troisième tour des municipales, les régionales, c'est l'échauffement pour la présidentielle? En fait, le truc, c'est que il y avait une phrase que j'avais trouvé plutôt pas mal, qui était de un politiste, je sais plus lequel, qui disait « Quand on vote aux élections locales, on vote localement quand on est dans l'isoloir, mais on regarde les résultats nationalement quand on est devant sa télé à 20h et qu'on découvre les résultats. » C'est un peu des deux. Ce serait une erreur de ne pas tirer de leçons nationales des scrutins locaux, et ce serait une erreur de surinvestir les enjeux nationaux dans des scrutins qui ne sont que locaux. A-t-on le droit de faire procuration pour un membre de parti? Je ne suis pas là pour le scrutin et je ne connais personne dans mon canton pour prendre ma procu, je compte donc appeler un parti pour qu'il me trouve quelqu'un. Absolument, Bims. Bien sûr, tu peux tout à fait faire ça. Tu peux appeler un parti politique dont tu te sens proche en leur disant « Bonjour, je pourrais pas voter, est-ce que vous avez un adhérent, un militant pas loin de chez moi, à qui je peux filer une procu ?» Ils seront contents. En vrai, ils seront contents. Ah ouais, t'as un bandeau avec mon nom et tout? Je l'avais jamais vu. Stylé. Pourquoi t'intéresses-tu au sénateur et pas à autre chose? Tu crois que dans ma vie, il y a que le Sénat? Tristesse quand même. Le pognon, par exemple, oui, le pognon, j'aime beaucoup. J'adore. Abonnez-vous. Les données qui permettaient de répondre aux craintes des Français ont été rendues publiques et les protocoles adaptés en fonction. La vaccination avec l'AstraZeneca a repris par la suite et ceux qui en ont bénéficié se portent bien. Je me porte très bien. Comme l'a indiqué le président de la République récemment, je conclue, monsieur le président, rien n'est exclu concernant le sujet, mais pour l'heure, rien n'est décidé. Merci, monsieur le ministre, pour cette réponse très précise. Pour moi, le Front National, ils ont changé la devanture, ils ont repeint et ils s'appellent Rassemblement National. Mais pour moi, c'est le hard discount de la politique. C'est-à-dire qu'ils n'ont que trois choses en rayon, l'immigration, le terrorisme et l'islam. Vous pouvez repeindre la devanture, mais vous n'en ferez jamais d'un hard discount une épicerie fine. On est mal. On est mal. On est très mal. Moi, je viens et je finis par là. Je fais que je parle trop, monsieur Massiette. Monsieur Massiette. Monsieur Massiette. Aïe. Coup dur pour monsieur Massiette. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? J'y ai beaucoup joué depuis que je suis à Paris et que j'ai beaucoup de travail. Je joue moins. J'ai deux enfants. On a acheté une Nintendo Switch et donc j'ai un peu plaisir. Le papa il tape de la manette. Un peu. Des fois une demi-heure, un week-end, à rejouer à Mario Kart. Et en fait, on y a toujours autant de plaisir. Et donc je pense que quand plus ils vont grandir, plus la palette de jeux va pouvoir s'élargir, parce que 6 ans et demi, Mario Kart c'est très bien et pour l'instant, peut-être que je vais reprendre plaisir à rejouer avec eux. Voilà, regardez-moi ça. Lundi à 20h sur ma chaîne, nous aurons un showmatch entre Denis Masseglia et Hugo Bernalicis, deux députés de la République, des gamers, hein, des gens qui jouent aux jeux vidéo depuis plus longtemps que vous et moi. Je serai sur un plateau et je commenterai cette rencontre avec GobGG qui a accepté de venir co-caster avec moi. Ça va être trop bien. Il y a un article de BFMTV, un député de la République En Marche va affronter un collègue de la France Insoumise sur League of Legends. En attendant d'en savoir plus, Hugo Bernalicis a d'ores et déjà annoncé que son équipe se nommerait les Carapateurs en commun. Ah oui, c'est vrai. Je trouve ça extrêmement drôle. Le député insoumis pourra d'ailleurs compter sur le soutien de David Guiraud, responsable jeunesse de la France Insoumise, si l'on en croit le montage improbable partagé sur son compte Twitter. Effectivement, il sera avec... Attends, c'est ça le montage ? J'avais pas vu, c'est beaucoup trop drôle. Les réponses des gens. On est de retour au temps du tournoi au Moyen-Âge où les duels à l'épée ou au pistolet, dites-moi que je fais un cauchemar, quelle régression de notre société. Un président qui se prend pour un roi, mais alors 1789, c'était quoi mon imaginaire? C'est confus un peu dans son esprit, mais ça dit des choses. Qui imagine un seul instant général de Gaulle faire un headshot en plein stream?
Il était plutôt World of Tanks. Très bon ça, très bon. Et à Rush History, ils m'ont posé des questions à la Zilan, du coup on va regarder ensemble. Sur Premier ministre, c'est moi. Parce qu'il faut bien quelqu'un pour gérer un peu ce bordel. Ministre de l'économie, je mettrais Skyheart. Parce qu'il a encore le pognon de l'année dernière, de la Zilan de l'année dernière. Ministre des sports, Domingo, évidemment. Allez, on va courir vite. Hein. Ministre de l'agriculture, Mister MV, évidemment. En même temps, je le mettrais bien en retraite aussi. Donc peut-être que je ferais un truc genre retraite agriculture. Président de la République, c'est Zerator. Ça, c'est. Mais ça, c'est par acclamation. Il n'y a pas de. Oui, c'est par acclamation du chat. Il y a un moment, bon voilà, il faut reconnaître les choses. Hein. Voilà, c'est mon gouvernement. Bon, on va retweeter, hein. Qu'est-ce que je mets comme tweet? Un gouvernement de winner. Ah bah non, il y a Skyheart, je peux pas. Désolé Skyheart. Au revoir tout le monde. Oh là là là. Ciao, bye. Bisous. On comprend rien. Allez, cut.